La Belle au Bois Dormant. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se disaient: ah, si seulement nous avions un enfant. Mais d'enfant, point. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit: ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année ne soit passée, tu mettras une fillette au monde. Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis et connaissances, mais aussi les fées afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume, mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or pour le servir un repas, l'une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, la troisième la richesse et ainsi de suite, tout ce qui est désirable au monde. Comme 11 des fées venaient d'agir ainsi, la 13e survint tout à coup. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée, sans saluer quiconque. Elle s'écria d'une forte voix: la fille du roi, sans sa 15e année, se piquera à un fuseau et tombera raide morte. Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut fort effrayé. La 12e des fées, celle qui n'avait pas encore formé son vœu, s'avança alors. Et comme elle ne pouvait pas annuler le mauvais sort, mais seulement le rendre moins dangereux, elle dit: ce ne sera pas une morte véritable, seulement un sommeil de 100 années dans lequel sera plongée la fille du roi. Le roi, qui aurait bien voulu préserver son enfant adoré du malheur, ordonna que tous les fuseaux fussent brûlés dans le royaume. Cependant, tous les dons que lui avaient donnés les fées s'épanouissaient chez la jeune fille. Elle était si belle, si vertueuse, si gentille et si raisonnable que tous ceux qui la voyaient l'aimaient. Il n'a fait que le jour de sa 15e année. Le roi et la reine quittèrent leur demeure. La jeune fille resta seule au château. Elle se promena partout, visitant les salles et les chambres à sa fantaisie. Finalement, elle entra dans une vieille tour. Elle escalada les 3 escaliers en colimaçon et parvint à une petite porte. Dans la serrure, il y avait une clé rouillée. Elle la tourna. La porte s'ouvrit brusquement. Une vieille femme filant son lait avec application était assise dans une petite chambre. Bonjour, grand-mère, dit la jeune fille. Que fais-tu là? Je file, dit la vieille en branlant la tête. Qu'est-ce que donc que ces choses que tu fais bondir si joyeusement? Demanda la jeune fille. Elle s'embarra du fuseau et voulut filer à son tour. À peine l'eut-elle touché que le mauvais sort s'accomplit.